Le Lions Club Cotonou Cristal organise ce 18 octobre une marche de sensibilisation dans le cadre du projet Tous pour une terre propre. À cet effet, Gilles Nyankadja, membre de cette association, donne des précisions sur ce mouvement. Il s'agit d'une marche éco-citoyenne qui se déroulera dans les rues de Cotonou. Pour ce qui concerne le déroulement, nous allons débuter par un rassemblement à partir de 17h jusqu'à 19h, qu'on prévoit un peu plus de 2000 personnes qui vont venir pour marcher. Le lieu de rassemblement se situe à Cotonou, quartier Saint-Michel, dans une rue bitumée en face de l'agence Société Générale Saint-Michel. Il y aura un podium qui sera installé devant le bâtiment Coteau dans cette rue-là. Il poursuit en évoquant les raisons qui motivent une telle initiative. Nous avons voulu mettre en place cette marche éco-citoyenne car le Lions Club est une association à vocation d'entraide dans des thèmes bien spécifiques. Et parmi ces thèmes-là, on retrouve l'environnement. Objectif particulier, parcourir les rues de Cotonou pour déposer des poubelles, sensibiliser les riverains ou les cotonnois, ou même plus de façon un peu plus large, les béninois, sur la nécessité de respecter l'environnement. Il invite par ailleurs tous les citoyens de Cotonou à se rallier à cette activité afin qu'elle soit un succès. La marche n'est pas circonscrite à ceux qui sont inscrits ou qui sont informés. Elle est jusqu'à son démarrage tout public et pour sensibiliser un maximum de personnes. L'environnement, c'est aujourd'hui, l'environnement, c'est demain. L'environnement, c'est la santé, l'environnement, c'est la beauté, l'environnement, c'est la salubrité, c'est le bien vivre, le bien-être. Et dans ce sens, nous avons besoin que tout le monde vienne pour participer à cette activité, comprendre les bien fondés de la salubrité et relayer cette information pour que tout un chacun sache la nécessité de prendre soin de l'environnement. Retenons que cette marche s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement.